Hattefeuille, c'est un skieur de haut niveau. Sa particularité, c'est qu'il a fait un apprentissage de maçon avant. Hello. Je ne le connais pas plus que ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui est appliqué dans ce qu'il fait. Bah, il a sûrement de la rigueur, hein, vu ce qu'il fait maintenant. La persévérance, c'est des choses qui sont importantes dans notre métier. Je m'appelle Loïc Gigon, j'ai 18 ans, je suis en apprentissage de maçon depuis 2 ans et demi. Je travaille chez Paris Tigendra, c'est une entreprise du groupe Marty qui est basée dans le Jura. On est ici à Delémont, c'est un assez grand chantier, on construit un home pour les personnes âgées. C'est un chantier intéressant parce qu'il y a beaucoup de béton à faire. Il y a pas mal de béton visible, des éléments préfabriqués en façade, des balcons préfabriqués, des choses comme ça. Alors il y a Thiago, qui est le contremaître sur le chantier, il supervise toutes les activités qu'on fait ici. Il y a Alex, qui est chef d'équipe, donc il s'occupe aussi d'un groupe de maçons. Il y a Adrien, qui est maçon spécialisé dans le coffrage, et Pascal, qui est aussi spécialisé dans le coffrage, en tant que maçon. Pour être maçon, il faut être motivé surtout, savoir travailler en équipe et puis avoir un bon physique. J'aime bien travailler avec Adrien parce que ça fait quand même quelques années que je travaille avec lui. On sait nos capacités à l'un et l'autre. C'est un maçon qui a de l'expérience et qui a une bonne conscience professionnelle. Je m'appelle Adrien Munch, je suis maçon depuis 22 ans. J'ai apprécié ce métier lors d'un stage à l'école. Et de voir comment ça avançait, les chantiers, la différence entre le matin et la fin de la journée. C'est ça qui m'a plu, qui m'a intéressé dans ce boulot. Il y a beaucoup de possibilités d'évolution dans le métier. Par exemple, l'ancien patron a commencé apprenti, maçon, chef d'équipe, contremaître et a fini directeur. Moi, après l'apprentissage de maçon, j'aimerais travailler un moment comme maçon et ensuite faire contremaître en bâtiment. Parce que j'aime les responsabilités. Et j'aimerais pas non plus m'éloigner trop du travail de maçon, car c'est un métier que j'apprécie beaucoup. Je conseille de faire l'apprentissage de maçon, car c'est un métier varié et qui offre beaucoup de possibilités pour la suite.